仲間を生き蹴らせてくれ。決着をつける。オラの全力で。なんとか耐え切ったぞ。まだ終わりじゃねえぞ。オラずっと戦っていて。オラを止めてみろよ。Et yo les gars, bon, je sors de 2 heures de sieste, je suis rentré du taf, j'ai fermé les yeux, j'ai eu une ellipse de 2 heures, donc moi je me suis dit, ouais, je vais être complètement dans les choux pour faire cette vidéo, mais au final, vite fait avant de parler de Migaté, il y a un truc qui m'a mis tellement de bonne humeur quand j'ai allumé mon téléphone, on va switcher d'overlay, il faut absolument que je vous montre ça, c'est vis-à-vis de la chaîne et de la dernière vidéo sur Jirenyx, vous avez fait un truc dans l'espace communauté qui est juste... Alors regardez ce que vous avez fait, hein. C'est vraiment, je vous avais dit que j'allais mettre l'accent des fois sur des commentaires. Regardez, il y a un truc qui est trop bien, mais comment voulez-vous que je sois pas de bonne humeur? Mathias qui dit, je viens de découvrir ta chaîne, tu joues bien, c'est agréable. Alors regardez, comme Fitzadri, t'as gagné en abo continu comme ça. C'est des messages, c'est vrai que je reçois régulièrement, mais déjà, c'est pas pour dire régulièrement pour me la péter, mais c'est des messages que je reçois, donc ça fait super plaisir et tout. Mais ce message-là, il est pas comme les autres. Derrière, il y a eu 8 réponses. Regardez comme les mecs sont trop gentils. Végéto qui dit bienvenue, Evan qui dit va voir ces vidéos Tico, tu vas kiffer, c'est fun. Hermès qui dit plus fou, mieux on rit, welcome les gens. Ça, j'ai trop l'impression que, comme si on était une famille en fait, et qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la famille. Vraiment les gars, mais merci énormément. Il y a Bita qui dit va voir les vidéos cheat code. Là, il y a Black qui encore une fois, qui met très bonne vidéo. Ça fait plaisir des réveils. Mais vous vous rendez pas compte comment ça fait trop plaisir à lire, les gars. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus parce que c'est hyper sympa. On a Ekatak qui dit les meilleurs choqués du devil. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça fait quand même malgré tout plaisir à lire. Il y a Hermès qui. Regardez! Vous êtes trop gentil, regarde, à chaque fois c'est que des commentaires, tu t'améliores en classe, ça fait pas l'avantage, mais vraiment les mecs sont trop gentils. Vraiment, vraiment. Ah, mais ça, en gros, le mec me dit faut que tu t'améliores en classe. Ah, bon, mais ça va, mais bon, il a raison, faut que je m'améliore. Ça, par contre, c'est vérité. Mais voilà, quand tu es comme ça, t'es le best. Enfin, les gars, ça fait vraiment trop plaisir à lire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bah voilà, on va aller jouer Migaté, j'espère que vous kifferez tout le temps, mais je voulais mettre l'accent, je le fais pas tout le temps et je le ferai pas tout le temps. Mais voilà, là quand j'ai vu ça, j'ai dit en mode, mais les mecs ils sont trop gentils. Genre il y a un mec qui dit, je viens d'arriver, tout le monde, ouais, bienvenue, ça c'est juste trop cool. Donc les gars, meilleur Migaté de France sur la chaîne YouTube, on rappelle, Migaté 14 étoiles, le perso sorti qu'il avait à peu près, je crois, 7 étoiles, un mois après je l'avais 9 étoiles, et que ça, de toute façon on avait toujours dit que l'objectif, c'est d'avoir Migaté 14 étoiles en une année et on l'a fait. Donc ça, c'était très très cool pour ceux qui ont suivi. Donc Migaté les gars, on va le jouer en PPP. Pourquoi jouer Migaté? Parce que vraiment, je pense que ça serait vraiment le perso de la team à up. Pourquoi ça? Parce que, bah, on sait, ils avaient up la LOE. Ils ont clairement envoyé paquet. Ils ont même mis un Ekimonic sur notre cher ami Footpower. Alors pourquoi pas aller mettre un équipement unique à Migaté si on a un up divin? Ça serait tellement une bonne chose, tellement tellement, parce que là vous allez voir, même avec 4 caps de Zenkai, le pivot de Vegeta violet et de Vegeto violet, vous allez voir, il y a des moments où il va être un petit peu creux perso, mais bon, encore les gars, c'est un LF 14 étoiles, donc je peux pas faire mieux en PPP avec 4 caps de Zenkai et Vegeta violet pour les pivots. Enfin, je peux pas faire beaucoup mieux pour mon petit perso, sincèrement, vraiment. Donc si là il fait pas les différences, il la fera jamais. C'est sa dernière chance les gars, mais bon, je sais moi-même que le perso est dépassé un petit peu, malheureusement c'est la vérité. Pourtant, dites-vous, je l'ai 14 étoiles, donc moi il va faire des trucs forcément, mais il n'y a pas tout le monde qui l'a 14. Donc voilà, mais bon, j'espère qu'il a un équipement ce perso, j'ai trop hâte. Et bah merci à tous d'être là comme d'habitude, merci à ceux qui soutiennent la chaîne avec un petit pouce bleu, qui comme d'habitude prennent l'objectif et prennent la force de lâcher leur petit follow s'ils ne sont pas, bah, bienvenue à vous la team. N'hésitez pas à rejoindre la famille, on a eu 200 abos quasiment sur YouTube en 3 jours, donc c'est juste magnifique. Voilà, merci à vous les gars, et je vous souhaite un excellent divertissement, un excellent showcase. En ce moment, vous preniez du plaisir, peut-être un petit sourire, peut-être un petit ouh les dégâts, peut-être, je sais pas, que vous exprimez une émotion devant cette vidéo, et j'aurais fait mon taf, donc voilà. Bonne vidéo à tous, et c'est parti. Bon, face à LOE, il va falloir vraiment éviter les attaques spéciales de son Freezer Full Power LF, mais si c'est le seul jaune de la team, on devrait s'en sortir. Malgré tout, on n'a pas le tag. Donc, il y a moyen qu'ils prennent double jaune, hein, si on n'a pas le tag. Bon, on est vraiment tombé face à la seule team du monde qui joue double jaune dans cette méta, mais ça existe en fait, hein. C'est vrai qu'on envoie des jaunes, mais des doubles jaunes, bon, il en faut quand même, hein. Bon, là, évidemment, les gars, hein, mettre des dégâts face à ça contre type, sachant qu'on n'a pas le tag, bon, bah, voilà, hein.
C'est plus ou moins extrêmement compliqué. Ok. Fais attention aux pizzas, parce que les pizzas elles risquent de faire mal. Bah là SV en vrai je vois pas trop pourquoi je mettrais Migaté pour le coup là. On va le mettre ici parce qu'il y a Vegeta Violet qui va réduire le temps d'attente. Ah bah voilà. C'était sûr mais on l'a pris quand même. Ok. Bon, on va mettre l'aspect pour régénérer à la jauge ici. Mais là voilà encore une fois hein. Mettre des dégâts face à sa team c'est hyper compliqué. Ok, on va mettre l'aspect là. Le problème c'est qu'il va peut-être main. Hein. Ok. Ouais mais le truc c'est que... Le problème là c'est que... Voilà, merci. Parce que si je peux pas... En fait si je montre à chaque fois Migaté face à un jaune, ça sert à rien de montrer la game. Donc c'est bon, il me laisse le vert de dispo pour que je puisse lui mettre une petite mandale à un moment mais... Ok, j'ai voulu esquiver ça, j'ai pas réussi. Ah mais je peux pas prendre de risque les gars. Si je prends un risque c'est pizza et c'est terminé hein. Donc ok. Et Rising Rush ici, ok. On n'oubliera pas qu'il a le main dans sa main. Donc bon, on va quand même essayer de le tackle je pense. Après peut-être qu'on contre mais je crois pas trop. Non, on contre pas donc il avait deux vertes. Comment il a eu ses deux vertes? Ok, il a dû avoir ses deux vertes depuis la première apparition de Freezer. Et en plus de ça, il a dû... Bah oui, il a jamais fait de vertes en fait. Tout simplement. Ok. Le clash qui passe, mais je pense qu'il va avoir la cover le problème. Le problème, c'est que je pense qu'il va avoir la cover ici. Et ça, c'est embêtant. Il l'a pas. Il a pas la cover. Ok, alors là c'est excellentissime les gars. Parce que là on prend le kill sur full power. On a bien fait du petit rap, enfin de rising rush rapidement. Et derrière là on va main. On va main avec, avec Migaté pour dispel. Ça peut être hyper intéressant. Parce que là ça peut être le Migaté show. Qu'est-ce que... Eh, je comprends pas comment il fait. Pourquoi il a jamais main avec Freezer Cooper hein. D'accord, maintenant il le fait. On va résister avec Migaté. Il va tanker ça. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais ça s'est passé en tout cas. Je sais pas ce qui... Ok. On est pas mort. J'avais dit les gars, je connaissais les... Je le connais, le Migaté, je savais qu'il mourrait pas. Même à 3000 HP, je savais. 5 millions par contre, c'est énorme. Mais là, il va peiner notre cher et tendre ami en face. Il va quand même, je pense, peiner un petit peu. Ok. Ok, le petit soin, on est allé chercher le petit soin ici et la jauge d'esquive, donc voilà, mais on a un anti-soin d'ailleurs sur le perso. Oh, les bons dégâts ici. Ça, c'est trop fort avec Migaté, ça, le problème, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper fort avec Migaté. Et là, derrière, on a la jauge unique, on a la vitesse de pioche, on a même SV, donc bah, on va aller chercher SV tout simplement hein, pour terminer cette game, je pense, avec le GOAT face à double jaune, hein. Et sans le tag, donc voilà, ça aurait été compliqué. Par contre, 5 millions avec l'ulti, c'est énormissime. Il a mis un ulti qui est complètement zinzin, le perso, et on s'en sort. Je savais qu'il m'aurait pas, les gars. Bon, les gars, si jamais il part en mode... Waouh, ça fait bizarre. Alors, Migaté est trop fort. Enfin, notre team est trop fort face à Gohan et SSJ2. Parce qu'on a deux dispels sur commande. C'est complètement fumé. Par contre, Vegeta Evo, il risque de se régaler. Ça risque de pas être très très drôle. Bon. Bah allez c'est parti. Oh ça peut briller fort là. Ça peut briller fort de notre côté. On va switcher direct. C'était assez osé. Mais bon. Là il prend très 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 cher son Vegeta Evo là. Je rappelle qu'on est sur du contre-deep quand même hein. Waouh. On va switcher parce qu'il y a moyen qu'il ait une spé. Ok, faut faire vraiment gaffe à pas se faire combo ici. Let's go! Ok. Ok.
Non, je vais le perfect dodge ici, il fait mal. Très mal même. Ok, on a pu switch avant l'arrivée de Vegeta Evo. Donc ça par contre c'est une bonne chose. Il va chercher l'ulti tout de suite, il doit être sûr de lui. Ok. Je pense qu'il doit être sûr de lui, alors peut-être. Moi je pense pas qu'il ait le kill, enfin je m'en rends pas compte. En fait il y a Vados dans la team. Mais... Ok. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Le jeu c'est pas ce que j'ai fait, vous avez bien vu. Non mais quand ça c'est parti. Le jeu il se met en mode je te déteste. Non c'est pas du tout ce que j'ai demandé. J'avais demandé de mettre Vegeta violet et du coup bah j'avais gardé Aïe 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 aïe. Bon les dégâts qui sont stupides de Migaté là par contre. Waouh. Aïe 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 ça rend fou. Bon, va falloir que Migaté se débrouille absolument tout seul là-dessus. Ça va pas être facile. Ok, en contre. Alors, le contre, ça change pas grand-chose. C'est vraiment juste pour donner des pivots supplémentaires, je pense. Ça passe à travers, là. Ça passe pas. Non, mais le jeu... ce move ne passe pas. Hein. La vérité, ce move ne passe pas, les gars. C'est vraiment le jeu qui a pas envie. Je m'en vais. Ok. Ça, c'est pour nous, ici. On va mettre l'aspect... Va falloir que Migaté il ait un V3, mais le jeu est contre nous. Le jeu est littéralement contre nous. Bon, il est pas contre nous au point de faire ça. Par contre, vraiment, le switch en Vegeta violet, je vous jure, je l'ai fait. Et je sais pas. Bon, bah, on va dispel là. Et là, on va profiter de la jauge d'esquive et du équipement. Ouais. Ok. Bon bah là c'est Gohan versus Migaté. Attaque direct. Ok. Et le F. Let's go. Voilà bah il fallait un V3. Le jeu, mais vous savez le jeu nous met des bâtons dans les roues. Mais voilà là par contre Migaté il a quand même été sacrément fort hein, parce que là la team pas opti en face Trop stylé. Il est vraiment stylé ce LF. Là ce plan là ouais ce plan aussi quand ils prennent le caméra il est vraiment bien réalisé. Quel élève de fou. Quel élève de fou et le 1v3 a réussi de notre côté. On a deux games exceptionnels. Pour l'instant ça s'annonce un showcase plutôt débile. Bon on a eu deux games de fou. Maintenant on se retrouve face à SSJ qui est un matchup exceptionnel. Si ça ne déco pas avec la game se lance, on a vraiment potentiellement un avantage de fou. Et Migaté va être très fort. Alors on n'oublie pas, si jamais on open avec Bardock, il y aura une cover blast, une cover strike. Privilégiez la cover blast parce que derrière Goku ne peut pas comboter. Allez. C'est pas... Oh voilà, ça c'est parfait ça. Alors ça par contre c'est perfect dodge ici. En fait j'ai pas attaqué parce que j'avais pas de blast. Donc du coup je peux pas me prendre le risque d'attaquer comme ça. Et c'est plutôt cool. Hop. On va mettre la petite arte. Alors l'aspect le mieux c'est possible c'est de la faire plus tard mais bon. Là elle est gratuite donc autant faire. Et les dégâts midlife quasiment. Je voulais attaquer direct. Ok on a vu que l'adversaire du coup ça tempo un petit peu. Donc là on va mettre SV, alors même si ça crit on devrait prendre des bons dégâts mais jusqu'à là mourir je crois pas. Et en plus de ça je rappelle, à chaque carte on a un pivot hein, sur la team. Donc on va pas se faire prier, hein. Plus notre pivot mieux on se porte. Ça continue encore, bon là on peut mettre Vegeta violet je pense, on va mettre une carte. Et ben. Ok bah là on a le kill hein. On a un kill. Parfait. Non, j'étais en train de réfléchir à la double SP parce qu'il y a tellement de persos maintenant dans le jeu qui peuvent te permettre de double SP. Ok, ça c'est trop bien. On va SP direct, je sais pas où est Bardock. Mais Bardock n'est pas là. Et on a le kill ici, je pense. Ouais, largement. 2 millions l'SP. Et l'ulti pour terminer cette game. Bon, bah là on lui a roulé dessus. Hein. Oh là là. Là, il a pris la sauce. Hein. Là, Migaté lui a mis une sauce terrible. Bon, c'est pour vous montrer que vous voyez. En fait, Migaté, là où ça sort encore très bien, c'est quand il est dans une team comme ça, mais opti, là, on peut pas mieux l'opti, je veux dire, c'est débile à quel point l'opti. C'est face à des teams un petit peu moins fortes, des teams un peu moins, tu vois, une SSJ un petit peu tournée, voilà. Face aux best team, tu vas trouver qu'il manque de trucs, il manque de punch, il fait plus la différence comme avant. Par contre, tout qui est trop fort sur perso, son main ulti. Main, je suis ultra fan de son main ulti. C'est un pur kiff en fait de pouvoir dispel quand tu veux, d'avoir un ulti aussi dévastateur. Et en plus de ça, quand t'as pas ta TP, et ben même t'as sa jauge qui va permettre de récupérer sa TP. Donc du coup, ça fait un main
en globalité qui fonctionne tellement bien avec le perso. Ok les gars, bon je me suis dit LOE, non encore double jaune. Non, parce que son full power il est pas Zenkai, il est 4 étoiles. Donc moi à la limite si je veux jouer double jaune pour jouer un perso 4 étoiles qui n'est pas Zenkai, dans ce cas là tu peux foncer, n'hésite surtout pas. Malgré tout moi je pense qu'il faudrait qu'il prenne Shield, Freezer full power et le revive. Si jamais il prend Freezer vert c'est un peu bête, et Freezer rouge aussi, donc il va clairement partir sur ces 3 là. Sauf surprise. Non mais il y a quelqu'un qui est sur mes côtes là, c'est... Il est vraiment parti en double jaune avec le Freezer non Zenkai. Bien joué ça par contre, très bien joué en face. Ok. Ok. Bon on est un peu... On est parti avec Migaté, mais est-ce que ça vaut le coup de persister? Ouais, on va le faire parce qu'on lui met trop cher là. On lui met trop cher en face. Mais c'était pas la meilleure idée du monde de le prendre dans la team. Hein. Vraiment là, il a un peu abusé. Ok. On va blast direct. Encore. Bien joué. C'était pas facile, hein. C'est exactement ce que je voulais faire, mais c'était pas facile de le faire. Oula, par contre, je me demande si le main ulti tuait pas. Sincèrement, je me demande si le main ulti il avait pas le kill ici. Parce que regardez bien les dégâts, hein. Il est 7 étoiles en face. Pardon. On va lui mettre une pression, les gars. Je sais pas s'il dispose son Freezer vert. Non. Bon bah là on est vraiment sacrément bien. Et là il est parti double jaune, vous avez vu hein, quand c'est mon opti derrière. Bon bah PPP ça fait forcément très très mal et c'est ça qui est cool. Oh il avait bien joué ici, pourquoi il a pas attaqué? Ah mec, t'aurais pu attaquer aussi. Ah bah là il a perdu la game. Je pense qu'il a perdu la game. Sincèrement je me demande si Migaté il a pas le kill là. Oh ici là. Migaté qui a le kill ici je pense. Et derrière bah il est avec un vert face à triple violet. Je ne vois pas comment il s'en sort. Alors il va peut-être essayer une carte verte là mais. Et là on va essayer de récupérer TP. Ok. J'ai pas envie qu'il prenne le kill de Migaté hein. Moi j'ai envie de lui dire tu prends le kill de Vegeta violet et après tu te débrouilles. C'est ce qu'on va faire ici hein. Allez hop. Là, le pauvre. Parce que là, même s'il prend le kill, là, bah voilà quoi. Il le sait très bien. Et je pense qu'on a le kill juste avec l'aspect, là, regardez. Je pense que l'aspect prend le kill. Si elle la prend pas, on n'en sera pas loin. Bon, bah on va faire une dernière game. Là, il a roulé sur la team encore. Putain. Là, il a vraiment roulé. Ça fait deux games là où il est quand même impressionnant. Ça justifie pas trop mes propos d'intro, mais en fait, faut. Encore une fois, on est en showcase. Donc forcément, c'est des fois des games où ça se passe bien et tout, mais. Voilà, ça se passe pas tout le temps comme ça. Alors oui, il y a des moments où il est trop fort. Il y a des moments où il est vraiment fort, ça mécanique des sleeves, ça carré et tout. Là, c'est le cas. Bon, bah allez les gars, je pense que c'est face à ce genre de team que ça peut que Migaté peut briller. Après les gars, il y a Gogeta 8 étoiles. Si Gogeta 8 étoiles, il vient d'un switch de Bardock, que derrière il a la verte comme par hasard pour l'anti-cover, je pourrais rien faire. Mais voilà, vous connaissez Gogeta, hein, Gogeta Ultra en SSJ. Il y a moyen que la game vous la voyez même pas si jamais ça se tourne mal. Par contre si on a l'open et tout ça peut être pas mal. Mais voilà encore une fois il y a beaucoup de cover dans la team et tout. C'est jamais simple maintenant de rentrer, de taper, de ne pas t'arrêter de taper. Parce que il y a plein de covers, il y a des dispels, des choses comme ça qui peuvent intervenir, qui t'empêchent de taper. Par contre Migaté il y a pas de jaune donc là. Et ben ça en aura mis du temps à charger cette game. Bon je vous annonce, je pense que ça lag hein. Vu le temps que ça a mis à charger j'ai un peu peur. Tiens comme par hasard. Ça lag hein, les gars, je sais pas si ça se ressent mais enfin ça va être pas de ouf mais il y a vraiment un ralentissement quoi. Il y a vraiment un ralentissement donc bah c'est parti. Migaté ici. Putain, on va garder l'aspect. Waouh, heureusement pour lui. Ok. On va mettre SV ici parce que détruire les cartes c'est fort avec SV. Parce qu'il va vraiment être boosté par contre la fois. Ok. Parfait. Et là Migaté il est excessivement fort dans cette situation. On va mettre une première.
On va mettre une première spé, les très bons dégâts sur Goku et CJ3. Waouh! Deuxième. Et là on est lock, hein, je rappelle. Hein. Donc si on est lock, et ben tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va. Rising Rush. C'était prévisible parce que c'est le seul truc avec l'aspect, mais il avait déjà fait une spé tout à l'heure. Donc c'était ultra prévisible ce qui vient de se passer. Du coup j'ai Rising Rush. Je me suis dit au pire Rising Rush aussi, et dans ce cas là on fait un clash. Et à la limite derrière avec le clash, mais j'ai le même ulti, donc ça peut être très fort. Là du coup c'est... Bah là je pense qu'on gagne la game là-dessus les gars. Dommage, j'avais l'open ici. Mais là de toute façon c'est terminé je pense. Et on termine avec un magnifique windscreen. Voilà, donc bah j'espère que ce showcase de Migaté vous aura plu. Bon, les trois dernières games de Migaté sont littéralement stupides, vraiment, parce que là il a fait vraiment du 3 games de fou. Donc c'est pour vous dire que le perso quand même il a pas si mal vieilli en vrai, ça reste quand même vachement correct. Mais malgré tout, j'aimerais trop qu'il ait un équipement pour le revoir arriver devant la scène. Et moi sachant qu'il est 14 étoiles, je peux que me régaler et que me languir de cette situation. Et on va croiser les doigts les gars, que ce soit ce Migaté là qui est l'équipement dans cette team divin. Parce que sinon mis à part lui ça peut être bon Vegeta Evo, en vrai c'est pas une bonne idée. Gogeta Blue, ça peut être Gogeta Blue aussi hein, ça sera un des deux je pense. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé les gars et je vous dis à très très vite.